Flip Hero. Ouais. Bah, de toute façon, c'est de la merde. Oh putain, y'a les ch'tis. Salut à vous, bande de bites, c'est Lou. Bon, aujourd'hui, rapidement, j'ai décidé d'être un ange parce que c'est pas très gentil d'être méchant. Elle est pourrie, ta chaîne. Très emmerdante, ta vidéo. Mais c'est quoi cette merde? C'est qui cette aléatoire? T'es juste un méga hater, comme gros. Putain, oh là, je suis salé. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'être salement salé. Et donc, qui sera le fameux protagoniste de cette magnifique, magnifiquement journée? Ah, donc ça sera le fameux Azulek. Bon, bah, très bien. Azulek et Pakeket, selon mon Pokédex, est un ancien youtubeur Minecraft. Lâche. Non mais attends, j'ai pas fini. Azulek était avant tout un gamer dans l'âme, pour se pencher ces derniers temps sur des vidéos challenge, mais pas trop, prank, mais pas trop, lifestyle, mais pas trop. Avec des concepts comme brûler du Red Bull à 1000 degrés ou un room à graisse. Genre comme si que des pneus, ça devenait violent. Alors, avant de propager de la haine pure et dure selon Chexy, je tenais à dire pourquoi je fais cette vidéo en quelques points. Azulek ou Donovan est, comme on l'appelle dans notre jargon, un foufou, un narvalo. Et comme il le cite dans plusieurs vidéos, il pense être un pirate et un empereur à la fois, tout en étant immortel. Supérieur car il mangeait des nouilles entourées de 4 plaques d'alu en guise d'habitat. Je me suis aussi intéressé à ce personnage parce qu'on l'a vu il y a quelques temps en train d'arnaquer ses abonnés via un placement de produit du site Drake Mall, un site de loterie illégale via la vidéo de Max. Et donc je me suis dit pourquoi pas parler de ceci, pourquoi pas élargir le trou. Donc pour que ton cerveau puisse suivre mes vilains magouilles, je t'ai classé Isuzu en 5 mains de catégorie sa mère, dont mon petit préféré, je l'avoue, se nomme Mélacagoule, on va voir quel flunch. Ou subtilité rejoindra Cause et Desperados. Ça veut rien dire. Ta gueule. Azulek, Zuzu ou Dono a un sérieux problème. Genre Zuzu a tellement un ego surdimensionné qu'il se fait appeler l'empereur par ses abonnés. L'empereur. Push me, and then just touch me. Et comme tout bon empereur qui se respecte, il dit Ave peuple. Ave peuple. Ave peuple. Ave peuple. Mais attends, ce n'est pas tout, il va même jusqu'à chercher dans l'étymologie de son propre prénom, qui selon lui signifie issu d'une grande lignée. Je te rappelle simplement que ce jeune homme s'appelle Donovan. Donovan. Donovan, à la limite, c'est ton caissier qui travaille à Intermarché. Ou encore, c'est le prénom de ton pote qui rend jamais la pièce à son père lorsqu'il range le caddie au parking du Super U. Donovan n'a jamais été le prénom d'un empereur. Regarde, quand je tape empereur Donovan sur Google, je tombe sur une image de Locklear en 2075. Ah mais attention, je devrais tenir mes propos parce que ici, je m'adresse à un immortel. Les gars, déjà, notez un truc, je serai jamais mort parce que je suis l'empereur du monde. L'empereur du monde ne meurt jamais. Je veux bien, gros, mais quand tu fais du vélo et que tu embrasses le sol, automatiquement, tu pisses du sang. C'est sûrement pas un gars qui a mis sa tête dans un pot de peinture et qui a fait des vidéos Minecraft qui a découvert le secret de l'immortalité. À quel moment vous pouvez croire que l'empereur du monde, le souverain de l'univers. On se calme, Régis. Bois ton chocolat chaud et reviens la semaine pro, ça ira mieux. Hein, d'ailleurs, hors sujet, mais si tu voulais vraiment ressembler à un être supérieur, voire à un pirate comme tu aimes le préciser, tu aurais dû t'acheter un crochet au lieu de te faire marquer Haup sur la joue. Car là, ça fait plutôt le miskin des pirates. Genre à l'époque, t'allais dans un bar, bah en fait, c'était le bar qui te rentrait dedans. Mais est-ce que tu es conscient que même si c'est toi qui as fait le design, on n'est pas sur Photoshop, tu peux pas faire de CTRL Z. Y'a pas techniquement de retour en arrière, non? J'espère au moins que t'as gardé le ticket de caisse et que t'as pris l'extension de garantie. Mais au moins, t'as il y a au moins Clément qui te trouve stylé avec ce tatouage. Et c'est déjà ça de prix. Pour un mec supérieur, franchement, c'est la The Classe. Tu es tellement au-dessus, comme le souligne Jean-Jean montrant des cons Sky datant de 2016. Où Zuzu classait les personnes par différents rangs. Genre humain de rang B, B-, C+, A-, ou humain de classe S à la Saitama. Ah, on parle d'un mec qui se trouve à la dèche 30 jours par mois se croyant immortel et qui a vécu dans une caravane en attendant des dons pour qu'un pote vienne faire des LAN au Canada. Mais ça se sent B Grease dans l'âme. Car oui, à son arrivée au Canada, il était selon lui dans la Daesh et pas Daesh la plus totale. Il a fait deux vidéos, la première j'ai disparu, je vous avoue tout, où il explique sa situation dans laquelle il dit je vais pas mettre de lien Tipeee parce que j'ai tellement honte de moi, j'ai honte de moi. Alors pour résumer ces deux vidéos, une phrase je dirais faites des dons, c'est la Daesh, j'ai un rêve mais je ne vous le dis pas. Mais en revenant si tu veux à la question des dons, si tu veux que celui-ci soit rentable, enfin si tu veux que celui-ci ait une utilité, Azulek est la dernière personne au monde à qui tu devrais envoyer tes deniers. Car le gars à l'époque il flambait déjà et hop je dépense 400$ dans une nuit à l'hôtel à mon arrivée au Canada, et hop je me nourris essentiellement de McDo au point dans de futures vidéos de créer un gange dédié au diabète, et hop je demande des dons pour amener mon pote et faire des LAN. Après tu te dis sûrement on revient dans un an, au moins il sera un peu raisonné en termes de dépenses.
ma bite. Ah parce que attends, maintenant le gars il a de la thune. Mais le mec il a pas compris l'utilité d'un billet. Un billet ce n'est pas fait pour se taper des roulés. C'est fait pour s'acheter un taboulé ou des claquettes, je sais pas. Ah voilà, voici l'argent des abonnés. Vous êtes content au moins, j'espère que les dons ont été rentables. Oui bah écoute, petite pensée à Estelle qui a donné 100€ pour payer ses roulés dans un billet. Elle doit être fière de son investissement. Je vais rentrer, je viens de voir que... une personne au nom de Estelle a fait un don de 100€. T'es dingue. Et encore, le don qu'Estelle a envoyé à Zulek s'est passé bien avant qu'il commence à faire des roulés avec des billets de 10. C'est juste pour te montrer son évolution. Mais de côté, au lieu d'investir dans des Ray-Ban à 400 balles. Enfin, j'espère qu'à ce prix-là, tu peux voir à travers les vêtements. Pour commencer, ce qui a changé en 2019, c'est que maintenant je porte des lunettes de vue. C'est des Ray-Ban, ça vaut 400 balles. Je vais pas leur prix parce que. Parce que je suis tout simplement pété de thunes. Mon sac d'ailleurs qui est un Minal. Un Minal, c'est quoi? C'est un sac qui vaut la peau du cul. Genre ce sac qui vaut genre 500 balles. Ça sert à rien de payer autant en fait. Je suis un pigeon, mais bon, je voulais trop ce sac et tout, c'est un sac de riz. Alors c'est totalement bien, je vous remercie pour tous vos dons. Le mec il est passé de mec en dèche à mec en dèche, mais là qui en a plus rien à foutre. Y'en a, ils vont me dire, t'as une vie de rêve mec, t'es un malade. Vous pensez vraiment que j'ai une vie de rêve? Vous pensez vraiment là que j'ai une... Bah vous avez raison. Vous avez raison les gars, bon je reste tous les jours mon gars. Et c'est sans oublier la fois où il a balancé 1000$ à un streamer en plein live. Merci Estelle, ou plutôt merci Drake Maul et iDrop, c'est la même chose. Sauf qu'il promeut iDrop le 6 février 2019, bien après la vidéo de Max. Sur encore et toujours la même belle arnaque, mais ça tu as l'habitude. Mais on reviendra sur ce cas un peu après dans la vidéo. Mais s'il te plaît on va se mettre d'accord, si tu n'as pas d'argent ne viens pas t'étonner et assume, arrête de te plaindre. J'ai remarqué un truc, notre vie c'est de la merde, on est toujours pareil, on tente des trucs mais on est toujours... coincé dans notre putain de chambre à bouffer des McDo à longueur de journée. On a une vie de merde. On a une vie de merde et on a bientôt plus de fric. Tu m'étonnes. Mais selon Azectos, ne pas avoir de thunes et ne pas habiter avec ses parents, c'est synonyme de courage. Et il a balancé un allez à plus en mode il vient de niquer le game. Alors que le gars il vient de se décrire dans son com, c'est-à-dire un lâche qui perd son temps à dire du mal des gens sur l'internet. Car oui, je les vois venir de très loin, les Azectos ma couille made in pleb, à dire que gna gna gna, Azulek c'est un troll. Oh bah c'est un troll. Oh bon. Oh, bah maintenant il est excusé hein. Bah c'est un troll. Ah vu que depuis le début c'était un troll, j'attends les premières personnes à marquer en commentaire oh Hitler en fait tu trollais depuis le début. Et les autres qui vont marquer oh finalement Saddam Hussein avait un bon fond. Tout cela pour vous dire que Azulek n'est pas un troll, mais c'est juste un mec bizarre. J'étais toujours expulsé dans ma vie, toujours on m'a viré parce que j'étais bizarre. Tu m'étonnes. Mais par moments il exagère tellement que ça en devient pénible. Des forains artificiels. Des florins artificiels. Oh mon dieu j'avais raison. J'avais raison. Mais attention, je tiens à vous prévenir, Zuzu de base n'est pas devenu bizarre du jour au lendemain. Ah ça non. J'ai pu regarder ses vidéos avant qu'il ne change. Et depuis la venue de la cagoule, le mec il s'est top-teasé. La cagoule hein, la cagoule. Ok, je suis pas un niveau élite, mais là c'est le jackpot. Alors j'ai rapidement parlé de lui via le cas des nudes de Julia Gameuse. Mais il faut se remettre à l'évidence que niveau expertise, on a vu mieux. Hein, on parle d'un mec qui a créé des émeutes à la PGW, où dans leur élan de courage, certains de ses abonnés ont lancé des panini sur des stands. Des panini. Hein, je te parle pas des stickers là, je te parle du morceau de pain avec un supplément de peu d'estime qu'on a pour toi. Genre y'a un gars, il a rien demandé, il s'est pris du cheddar fondu dans sa gueule. Hein, la cagoule, ou je dirais Warren. Mais là, ça fait moins gangsta. Là, ça fait plus René du château Brian dans la forêt de Mormal à côté d'Avignon-les-Pins. Car Warren a bien influencé notre cher Donovan de par ses mimiques déjà présentes dans le passé. Mais là, ces mimiques se sont amplifiées depuis leur colloque au Canada. Et donc, deux génies réunis sous le même toit dans le country FC Poutine, ça donne quoi? Ça donne ce genre de vidéo où, peu de temps après avoir quitté Azulek, la cagoule fait une vidéo sur la mort d'Azulek. Il a fait une vidéo parlant de sa mort parce que le gars il était pas actif pendant 24 heures. 24 heures, gros, mais t'es débile! Alors, désolé de le voir comme cela, mais là, je vois juste un genre de coup de pouce forcé, car à la mort de certaines personnes, à tout hasard on va prendre l'exemple des rappeurs, certains iront s'abonner à la chaîne d'Azulek. Et vu que c'est toi qui fais aussi cette vidéo, certains vont te découvrir. La cagoule a de l'influence, et il s'est fait manipuler par gens random lui donnant des fausses infos. Mais je pense que ton geste est vraiment maladroit. La meilleure solution aurait été d'attendre et de constater, et de ne pas faire une vidéo sur le sujet. Je vois juste un gars qui essaie de gratter du buzz sur la présumée mort de son ami. Et même si ça te tenait vraiment en cœur, pourquoi avoir laissé la vidéo en ligne? Même si cette dernière n'est pas monétisée. On sait très bien que t'aurais voulu gagner de la notoriété par-dessus ta vidéo. Gna gna, c'est horrible ce que tu dis. Bah oui, ta mère. Pourquoi le mec il a pas fait juste un simple tweet? Où est passé Azulek au lieu de faire une vidéo, gros? Allez. Dis pas de la merde. Et le pire, dans la vidéo réaction d'Azulek à sa propre mort, j'ai vraiment l'impression que ce dernier en fait il se fout allègrement de sa communauté. C'est l'histoire
l'histoire d'un gars qui s'appelle Donovan. Prenons pour surnom Azulek et qui fait des vidéos sur YouTube. Et quelque chose m'intrigue soudainement. Comparons un peu le titre avec le contenu de ses vidéos. 10% du contenu de la vidéo sont des explications pour lesquelles il fait sa vidéo. 15% du contenu est consacré au titre. Et 75% c'est la cagoule en train de faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire soit dormir, soit faire le Jean César afin de faire rigoler Daniel 12 ans. Plus vite que ça, tu participes au casting d'Interstellar pour te retrouver dans l'espace. Deux mecs qui se foutent la gueule en voulant se taper dans une pièce, ça me rappelle vaguement quelque chose. Azulek, c'est aussi l'histoire d'un gars qui a cru s'être fait hacker via une clé USB qu'il a inséré dans son PC, qui au préalable était scotché à sa porte. Et c'est certifié no fake à skip. Ah bah il a dit voilà, ah bah si, voilà ça marche hein. C'est aussi l'histoire d'un gars qui fait du vrai putaclic. Ah là on parle pas d'un titre qui est bien présenté, qui est aguicheur et non mensonger. Regarde, attends, le titre mentionne le mot wish. Mais pourtant ce n'est pas du wish. Mais si tu me fais penser à wish, mais c'est pas wish, ok c'est... Je fais à chaque fois la comparaison, mais c'est pas wish. Ce n'est pas wish. Alors pourquoi tu le mets dans ton titre? Et tu le sais très bien, pour les vues. Parce que toutes les vidéos qui parlent de Wish sont bizarrement très bien référencées. Hein, oublions, passons. Hein. Oublions le fait qu'il y a un réel problème avec les sites de loterie. Entre la PLS intercosmique infligée par Max et sa vidéo sur le site HypeDrop, bitch, pour un mec qui injecte aussi facilement 500$ sur le site de sa poche, et qui se plaint souvent qu'il n'a pas d'argent, je trouve ça assez cocasse. Ah bah non, bien sûr, t'es pas assez con pour ça. Tu as sûrement omis le fait de préciser que c'est le site qui t'a injecté 500$. Mais qu'est-ce que tu viens de faire, Azulek? T'es si con que ça? Je pensais que t'avais un cerveau. C'est aussi l'histoire d'un gars qui fait une vidéo, je me fais kidnapper, mais qui a eu le temps de poster sa vidéo avec Minya et montage. Ah, excuse-moi, pardon. Bah oui, j'ai oublié, c'est un troll. Ou encore, parlons de ces fake prank, bitch, avec la cagoule. Je vais prendre sa carte bleue et je vais la détruire. C'est pas une blague, je vais vraiment prendre sa carte bleue et je vais la détruire. Hein, y'a pas un petit problème ici, non? À quel moment le mec a sa carte bleue posée en évidence ici sur ton étagère? À quel moment? Mais tu comprends que tu aurais pu montrer une partie de la carte bleue de la cagoule, genre flouter tout le reste, sauf son prénom, pour prouver que c'est bien sa carte à lui, et pas une vieille carte avec une puce niquée dont tu ne te servais plus. Je crois que c'est le prank le plus dangereux que j'ai jamais fait de ma vie. Tu m'étonnes! Après avoir craché ma haine selon Dame Chelsea, encore Chelsea, rien à foutre, je vais maintenant citer les points positifs de la chaîne d'Azulek. Hein, mais par contre, ça sera quelques mots, parce que la dernière fois que j'ai voulu faire du positif sur une chaîne, la dernière a voulu porter plainte, mais quelle folle! Elle a voulu porter plainte parce que la vidéo ne lui a pas plu. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que je vais recevoir la plainte, mais ton pigeon voyageur, il a qu'à se dépêcher, ça fait déjà un mois. Alors, je sais pas s'il s'est pris un Airbus A330 en plein vol, mais je suis là et je l'attends. Les points positifs de sa chaîne. Le gars, il était dans la merde et il s'en est sorti tout seul. Car venir au Canada avec sa bite et son couteau, il faut le faire. Son montage n'est pas dégueu, pas comme certains qui proposent le même genre de vidéo. Son humeur est communicative et ça, c'est un plus. Et le fait de voyager nous permet de découvrir différents lieux ou certains modes de vie, même s'il passe 85% de son temps enfermé chez lui. C'est divertissant. Oui? Je l'avoue, c'est divertissant. Voilà. Non mais je vous ai dit que c'était court de base. Mais Donovan, par contre, si tu regardes cette vidéo, ne le prends pas mal. Des fois, pour faire passer un message, il faut que le message soit violent. Pas violent physiquement, mais violent des fois avec les mots. En tout cas, Zulek, j'espère que tu changeras et que tu deviendras un peu plus mature. Même si ça fait rigoler Daniel 12 ans. Non, en gros, ça fait rigoler personne. Est-ce que tu veux vraiment passer toute ta vie en tant que nomade à galérer? Ou veux-tu vraiment te stabiliser et essayer de construire quelque chose? Je te pose la question. Je te dis ça parce que tu es encore jeune et tu as le temps de changer les choses. Profites-en parce que demain, tout ça, ça va s'arrêter, tu sais pertinemment, et je te souhaite vivement de changer. De mon côté, j'ai encore toujours cette irrésistible YouTube d'ouvert. Si tu veux me soutenir dans mon travail sans dépenser un rond, ça prend seulement 30 secondes et le lien est dans la description. Par ailleurs, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Insta, Discord et Twitter. N'hésite pas à liker la vidéo si cette dernière t'a plu et fais un petit tour sur ma page YouTube. Mais nous, en tout cas, on se retrouvera pour maintes et maintes aventures. Mais ça, tu savais déjà. Ciao. Lâche un like, ho, ho.